écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le développement de la production de la poudre d'élée en Algérie, un accord est signé aujourd'hui entre le ministère de l'Agriculture et un partenaire qatari pour un projet intégré d'une capacité annuelle de 200 000 tonnes. Pour les besoins de la céréaliculture notamment, plus de 300 centres de stockage et silos seront lancés à travers le pays. Le chantier a débuté dans certaines wilayas, dont Aïn Defla. Éradication de l'habitat précaire à Oran, près de 900 familles relogées aujourd'hui. Deuxième opération d'envergure. Plusieurs secteurs paralysés au Maroc. Ce mercredi, une grève générale à l'appel d'une dizaine de syndicats pour protester contre la détérioration des conditions socio-professionnelles. Réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur l'aide humanitaire à Gaza, alors que les bombardements de l'occupation se poursuivent. Football, deuxième demi-finale ce soir de la Coupe d'Algérie. L'USM Alger affronte le CR Blouzded au stade de Berraghi. Coup d'envoi du 4e festival de Annaba du film méditerranéen. 70 œuvres cinématographiques seront projetées. Nous retrouverons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Réduire la dépendance aux importations, c'est l'objectif escompté à travers la réalisation d'un méga projet intégré de production de poudre de lait. La ferme sera implantée dans le sud du pays avec une capacité de production de 200 000 tonnes. Une convention cadre pour sa mise en œuvre sera signée cet après-midi entre le ministère de l'Agriculture et l'entreprise qatari Beledna. Hakima Kamel. La gigantesque société Beledna est connue par ses méthodes industrialisées de gestion des fermes laitières avec des moyens technologiques modernes. La future ferme programmée en Algérie s'étendrait sur 100 000 hectares. Il semblerait que la quantité visée de lait à produire dans notre pays s'élèverait à 336 millions de litres de lait ou alors 200 000 tonnes de lait en poudre par an, soit l'équivalent des besoins annuels de notre pays. La poudre de lait qui est importée en ces quantités à peu près. La réussite de ce projet nécessitera la disponibilité de l'eau, de l'alimentation, l'importation de vaches laitières, l'exploitation agricole pour produire les aliments, la nourriture des bétails et des équipements sophistiqués. Un méga-projet dont l'objectif est d'assurer à l'Algérie sa sécurité alimentaire. Les partenariats permettent de réaliser des projets de développement, y compris dans la filière lait, où les besoins sont importants. Sophia Boukarcha. L'Algérie, l'un des principaux consommateurs de lait dans le monde, avec plus de 5 milliards de litres annuellement. La production nationale couvre 55% des besoins. Le pays aspire à renforcer sa production locale, notamment à travers les partenariats, une démarche applaudie par les producteurs. Mourad Issiridir, directeur général de Goumidi Industries. Une bonne partie des besoins est comblée par la poudre de lait industrielle importée. Poudre de lait, nous avons une capacité installée d'environ 6 000 tonnes par an. Nous sommes actuellement environ 3 000 tonnes annuelles. Actuellement, il y a des efforts qui sont faits pour booster la production laitière, qui est une initiative salutaire, en quelque sorte, pour substituer aux besoins qui sont comblés par l'importation. Un partenariat, c'est développer une synergie pour augmenter l'offre, pouvoir faire face à une demande. Réduire la dépendance à l'importation. Les étrangers s'intéressent à l'investissement dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Alexis Vladimirovitch, fondateur de Imperial Corporation, société russe. Je suis content d'être ici, c'est la première fois pour moi en Algérie. L'Algérie, c'est un marché ouvert, plein d'opportunités. Nous voulons réellement investir ici, créer une société en partenariat. Toutes les chances sont de notre côté pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous restons ouverts à toute proposition, soit exporter notre produit en Algérie, en l'occurrence le lait en poudre, ou bien créer une société, s'installer pour tout faire à partir d'ici en Algérie. Tous ces efforts, à savoir les partenariats et les investissements étrangers, favorisent l'amélioration de l'agriculture et contribuent à l'évolution positive du secteur laitier algérien. Reportage réalisé en marge du Jazz Agro, le salon de l'agroalimentaire qui se poursuit à Alger. Un pas dans la mise en œuvre des décisions prises lors du sommet tripartite tenu cette semaine à Tunis, où le président Raïs Saïed avait reçu les dirigeants algériens et libyens. Ce matin, c'est un accord relatif à la gestion des eaux souterraines communes qui est signé à Alger. Il s'agira de mettre en place les mécanismes de concertation adéquats. Nous y reviendrons dans nos prochains points d'actualité. Le général d'armée Saïd Chengriha insiste sur la préparation au combat et la performance opérationnelle des troupes. Le chef d'état-major de l'ANP s'exprimait hier lors de sa visite d'inspection en 3e région militaire, précisément depuis le secteur opérationnel Sud Tindouf.
En vue d'une adaptation continue de l'évolution de la situation dans notre environnement régional et international et de faire face efficacement aux nouvelles menaces, nous avons entamé une préparation globale qui a touché les différentes composantes de l'AMP avec la mobilisation des moyens humains et matériels dans l'objectif de définir les contours du développement futur du corps de bataille de l'AMP. Le général d'armée Saïd Chengriha a par ailleurs insisté sur l'impératif de resserrer l'étau sur les activités de contrebande et du crime organisé sous toutes ses formes. Le front social en ébullition au Maroc, les syndicats du secteur soignant ont appelé à une grève de 2 jours à partir d'aujourd'hui. L'objectif principal de cette action est de faire valoir les revendications des différentes catégories confrontées à la marginalisation par le gouvernement dans ce secteur vital. Le décryptage de l'analyste politique Gamel Abina, contacté par Rabea Slimani. Le Maroc est à nouveau confronté à des mouvements sociaux assez importants dans plusieurs secteurs d'activité déjà, puisqu'on l'a vu dans l'éducation nationale et dans d'autres secteurs, transport et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le monde de la santé qui manifeste par rapport à des réformes non désirées qui auront des conséquences assez lourdes, si l'on écoute les professionnels de la santé, sur le soin apporté aux malades au Maroc dans un pays qui malheureusement déjà a un défaut en matière de soins. La proposition du gouvernement Akhanouch, rappelons-le, un homme qui est milliardaire et ultralibéral, est de privatiser une partie de l'accès aux soins, sachant déjà que le Maroc a mis très longtemps à proposer une couverture de maladie générale qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Le Maroc a opté pour le modèle américain ultralibéral, un modèle qui effectivement ne fait pas de cadeaux aux plus démunis, un modèle qui privatise la plupart des services publics. Le gouvernement Akhanouch, tenu encore une fois, je le rappelle, par un milliardaire, semble ne pas s'intéresser à ces questions et privilégie la rentabilité plutôt que l'accès aux soins qui ne peut pas être jugé comme un système de rentabilité dans une économie africaine, je le rappelle tout de même. Un pays qui a un PIB de 130 milliards de dollars, autour de 130 milliards de dollars, dont à peu près 50% de la population est sous le seuil de pauvreté. Le Conseil de sécurité se réunit à huis clos autour de l'aide humanitaire à Gaza, une énième réunion alors que les exactions se poursuivent contre les Palestiniens. L'ONG Amnesty International évoque un échec moral de l'ordre mondial. L'Observatoire euro-méditerranéen parle de conséquences horribles. En attendant, les bombardements font encore des dizaines de martyrs dans l'enclave. La résistance palestinienne tient tête. Ses soutiens dans les pays voisins comme le Liban maintiennent la pression également. D'ailleurs, l'armée d'occupation a accentué ce matin ses raids en riposte aux frappes menées à partir du sud libanais. L'analyse de l'expert militaire Ali Hamia, contacté par Karima Bounour. Le Liban redouble d'opérations en utilisant de nouvelles armes et c'est ce qui s'est déroulé dernièrement à Arab al-Aramcha, zone occupée par l'ennemi sioniste, où la résistance a envoyé des drones nommés Ababil et des missiles Elmas 3. Très développés, ils ont touché un centre d'espionnage où se trouvaient des chefs des renseignements sionistes et ce centre est tenu secret. Même la population sioniste n'est pas au courant de son existence. Hezbollah a atteint un niveau de travail dans le domaine sécuritaire et des cyberattaques qui dépassent et de loin ceux de l'ennemi. L'ennemi se sent perdu. Il tire avec de simples pistolets sur les drones de la résistance parce qu'il est incapable de les repérer avant qu'ils n'atteignent leur but. Même leur dôme de fer n'arrive pas à les intercepter. Le temps qui passe est de notre côté. C'est pour cela que les sionistes ne cessent de commettre des erreurs. Aux États-Unis, l'ultimatum fixé par l'Université de Columbia pour démanteler les campements des étudiants soutenant le peuple palestinien expire aujourd'hui. L'université menace de faire appel à la garde nationale pour disperser les manifestants. C'est à peu près la même situation dans d'autres universités américaines. Il faut dire que l'opinion américaine est en train de changer. La prochaine élection pèse également sur la donne. On écoute à ce propos le décryptage de Philippe Goloub, spécialiste des États-Unis, contacté par Rabea Slimani. Les sondages montrent que la population américaine sondée qui soutenait très fortement Israël, y compris bien sûr après l'attaque du 7 octobre, aujourd'hui, une majorité de la population pense que la politique actuelle du gouvernement Netanyahou est inacceptable, que les États-Unis devraient restreindre leurs alliés dans leurs offensives à Gaza et ailleurs, en Cisjordanie. Il y a une sensibilisation de l'opinion américaine sur la question du Moyen-Orient qui va au-delà du mouvement étudiant. Est-ce que ça peut avoir un effet au plan électoral? Tout dépendra bien évidemment de la manière dont les 2 candidats principaux vont gérer au niveau des discours, mais aussi au niveau des actes.
Des propos recueillis par Rabea Slimani. Importante opération de relogement ce matin à Oran. Près de 900 familles habitant le bidonville de Ras El Ain. Des familles qui ont été relogées dans la commune de Batiwa. Des personnes qui étaient contentes de cette opération. Une joie exprimée au micro de Hamza Belmadani. تحيات ابوهم كيما فضحتنا ربي فضحك الحمد لله يا ربي المهم سكن لائق الحمد لله وشكره اللي كيتفكرونا غادي يروحوا هنا الحمد لله والمهم حنا جزائريين نقولوا جزائريين وتحيه الجزائر. Voilà, il s'agit de la deuxième opération d'envergure après celle qui a concerné en 2023 près de 1500 familles. La gestion du transport maritime en débat à Alger, les opérateurs soulignent la nécessité de revoir le cadre légal. Explication de Rimbo Kadoum. Adapter le cadre législatif aux exigences de l'heure pour encourager les investissements dans le secteur du transport maritime, une revendication des acteurs économiques, suivie par l'accompagnement des institutions monétaires, puisque c'est des investissements lourds et qui demandent des levées de fonds importantes. Mouloud Belaïd, président de l'Association des agents maritimes algériens. C'est un peu difficile aujourd'hui pour un investisseur d'acheter un avion en Algérie et de s'assurer de sa rentabilité. Ce qui manque au niveau du code maritime, c'est l'ouverture de l'affrètement des navires en voyage. Par exemple, là, on ne parle que de l'affrètement soit à temps ou l'achat d'un navire. Mais aujourd'hui, c'est un problème de financement qui se pose aussi. Mais nous, en tant qu'opérateur économique, nous pensons que tant qu'on n'ouvre pas l'affrètement, le transport maritime algérien restera toujours sous le contrôle des compagnies étrangères. Des discussions sont en cours entre les institutions concernées pour trouver les mécanismes et accompagner les opérateurs économiques dans leur démarche. Sikam El Kaddour, sous-directeur transport maritime et activités auxiliaires au ministère du Transport. Dans le décret, il est stipulé que le navire à exploiter doit avoir moins 15 ans d'âge. Donc, dans ce contexte, une concertation entre les services du ministère des Transports et des Finances a fait aboutir à la promulgation d'un arrêté interministériel fixant les conditions et modalités de dédouanement des navires à l'état usager pour la consommation. Il y a d'autres gestes qui ont été faits de la part du ministère pour l'accompagnement de ces opérateurs. C'est à travers des réunions avec les services financiers, les banques, puisqu'il y a une réticence des banques pour financer ce type d'investissement. La décision d'ouvrir le secteur du transport maritime aux opérateurs privés a été prise en 2020. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions et lever tous les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs pour redynamiser ce secteur. Conformément aux instructions des plus hautes autorités du pays, la réalisation des centres de stockage de céréales a commencé. Elle inclut 36 silos à travers le territoire national, notamment à Ain Defla, d'où nous appelle Rima Rahmani. Ain Defla, wilaya agricole par excellence, qui compte pas moins de 75 000 hectares de terres agricoles réservées à la céréaliculture et dont la production avoisine les 2 millions de quintaux, a bénéficié de 11 centres de proximité, dont les procédures administratives et autres choix de terrain et d'entreprises de réalisation ont été effectués, ainsi qu'un silo d'une capacité de 1 million de quintaux situé à Boumetfa, à la sortie est de la wilaya de Ain Defla, dont le terrain devant recevoir cet investissement est localisé. Il s'agit d'un endroit stratégique limitrophe au chemin de fer, la route nationale numéro 4 et l'autoroute, ainsi qu'aux wilayas de Blida, Tipaza et Medea. Pour le choix de l'entreprise de réalisation, l'opération a eu lieu cette semaine. Il s'agit de Cosider qui s'est engagé à réaliser ce doxilo dans un délai ne dépassant pas les 2 années. Et avec l'achèvement de tous ces investissements, la coopérative des céréales et légumes secteur de Khmis Miliana va doubler de capacité de stockage des céréales. Aïn Defla, Rima Rahmani, Al-Jashan 3. Les céréaliculteurs sont optimistes du côté de Constantine. La donne a en effet changé après les dernières pluies. Hayat Karboua. Les pluies tombées dernièrement sont prometteuses. Les agriculteurs et principalement les céréaliculteurs sont optimistes. Écoutons Abdelrahman Ben Malek, ingénieur céréaliculteur multiplicateur à Ain Abid, dans la wilaya de Constantine. Pour le moment, on est très optimiste. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu une année qui manque. Atsallah ibar, puis des parcelles vraiment des rendements mleh. Espérons que ce qui m'est parce que tant que même que la nation des bâtés se met. Donc il faut s'attendre à tout. Il y a de la grêle, il y a des incendies, il y a beaucoup de choses. Il faut en tenir compte. Le mois d'avril, c'est le plus important. D'avril pour le remplissage des graines. C'est le mois d'avril. La pluviométrie de cette période reste déterminante et si l'espoir est là, il reste toutefois la crainte des maladies et autres éléments naturels qui pourraient compromettre une bonne récolte de ce produit vital. Abdelrahman Ben Malek, céréaliculteur.
Actuellement, la végétation se comporte très bien. Puisque la plante, les feuilles d'eau, c'est très bien. Donc, ce comportement de la végétation, elle est bonne. Donc, à la période, nous avons peur des maladies. Lorsque la plante est touchée par une maladie, vous avez une diminution de rendement. 2, 3, 4, 15 euros. Les coûts de production sont devenus très chers. Rien pour faire une opération de désherbage, ça coûte 10 000 dinars. Pour les traitements des maladies, 10 000 dinars, ça dépend du produit. Les coûts de production sont devenus très chers. Il faut essayer d'optimiser au maximum l'itinéraire des céréales. Aplanir toutes ces difficultés et d'autres, c'est relever le défi d'aller vers l'autosuffisance en matière de céréales, ce produit stratégique. Constantine Hayet Kerboua, Alger 3. Le chef d'état-major de l'ANP poursuit son déplacement en 3e région militaire. Le général d'armée Saïd Chengriha a supervisé un exercice tactique au niveau du secteur opérationnel, la Aqid Lotfi. Il est 12h46. La suite du journal sur Alger 3, en vue de booster le développement économique, 134 zones d'activité de petite taille seront réceptionnées à la fin 2024. C'est le ministre de l'Intérieur qui a fait cette annonce devant la commission spécialisée de l'APN. La cadence s'accélère d'ailleurs pour viabiliser et raccorder ces zones aux différents réseaux. Le point à Bouira avec Aris Chachoua. Pour un meilleur accompagnement et soutien du développement social et économique, notamment en fournissant l'énergie électrique nécessaire pour les différents investissements, un communiqué de presse de la direction de distribution de Bouira révèle que la future zone industrielle de Dira est déjà raccordée à l'énergie électrique, avant même que les travaux d'aménagement au niveau de cette zone ne soient achevés. Il s'agit de la réalisation de deux importantes lignes électriques, réalisées l'une à partir du poste de Sorozlen et l'autre depuis le poste de Sidi Issa, d'une longueur globale de 12 km. Le coût du projet est évalué à 61 millions de dinars, dont 6 millions proviennent de la trésorerie de l'entreprise. De cette manière, les futurs investisseurs au niveau de cette zone ne trouveront pas de problèmes liés à l'énergie électrique, souligne le même communiqué. Pour rappel, la Oulaye de Bouira compte actuellement deux zones industrielles, à savoir Dira et Oued Liberdi, et aussi 11 zones d'activité. Toutes disposent de l'énergie utile pour un meilleur fonctionnement. Bouira, Aris Chachoua, Alger 3. La campagne de lutte anti-incendie se prépare. Elle concerne également le sud du pays. Le point Ardaï avec Mahfoud Karkar. En prévision de la saison estivale, les autorités publiques à Ghardaya se préparent pour la campagne anti-feu de forêt. Mohamed Salah Lafdel, conservateur des forêts. La lutte débutera mois de mai au lieu de juin. Les résolutions du dernier conseil du gouvernement le 26 mars. La campagne de lutte contre les feux de forêt et les cultures agricoles s'articule sur trois axes. La sensibilisation, la prévention et le matériel mis en disposition. La sensibilisation est le cheval de bataille. Les séances radio faites, les articles de presse, la sensibilisation. Sensibilisation au niveau des mosquées, prière du vendredi. Sensibilisation de Felah pour l'entretien de leur exploitation agricole en collaboration avec la DSA, la protection civile et l'environnement. Organisation des journées d'études pour l'explication de la loi 21-23 des forêts et la loi 18-23 de la protection des terres de l'État par le secteur de la justice en collaboration avec les forestiers, les gendarmes, les policiers. Simulation et préparation des interventions. L'installation des différents comités opérationnels, soit de la commune présidée par le PAPC, de la DRA présidé par le chef d'Aira, de la Wilaya présidé par le secrétaire général, ainsi que l'installation de la commission de protection des forêts présidée par M. Louel. Exécution des exercices de simulation par la protection civile et les forêts et le matériel d'intervention. On s'inscrit dans le plan d'Orsec où tout le matériel des différents organismes intervenant dans la catastrophe naturelle est inventorié. Ici à Ghardaya, des appels pour bien définir la spécificité de la région qui est oasienne pour mieux intervenir lors des feux de forêt. De Ghardaya, Mahfoud Karkar pour Alger 3. Deuxième demi-finale de la Coupe d'Algérie de football ce soir. Après le Mouloudia d'Alger aux dépens du CS Constantine, on connaîtra ce soir le deuxième club qui animera la finale à l'Ehmouch. Et ça sera soit le Chabab Riyadi de Blouizdad, soit l'USM Alger. Donc les deux clubs s'affrontent aujourd'hui à 21h au Nelson Mandela Stadium. Les deux clubs qui ont remporté ce trophée à 8 reprises. Ça sera la 12e rencontre entre les deux clubs en Coupe d'Algérie. Le Chabab Riyadi de Blouizdad qui mène le bal avec 4 victoires contre 2 en faveur de l'USM Alger. 5 rencontres se sont terminées sur un score de parité en Coupe d'Algérie entre les deux clubs. Sur cette rencontre, on va écouter tout d'abord l'entraîneur adjoint du Chabab Riyadi de Blouizdad, Nasser Mikidash.
Ça va jouer sur des détails. C'est celui qui ne perd pas beaucoup de balles, c'est celui qui garde la sérénité, c'est celui qui a la grinta et qui est dans le match. Donc on va essayer de priver l'USMA du ballon et éventuellement essayer de marquer pour gagner. Parce que c'est un des objectifs de cette saison. Et le Chababria des WZ et l'USM Alger qui se sont rencontrés 5 fois en finale de la Coupe d'Algérie. Le Chababria des WZ là aussi mène le bal avec 3 victoires contre 2 en faveur de l'USM Alger. L'USM Alger qui veut absolument sauver sa saison en remportant cette Coupe d'Algérie. C'est ce que dit le président du conseil d'administration, Kamal Hassina. Je pense que à chaque match, nous jouons notre saison. Pourquoi ? Parce que nous avons des objectifs qui sont assez ambitieux et nous irons jusqu'au bout. Nous nous préparons pour ça. Mais en tous les cas, tout le monde est mobilisé. On a disputé beaucoup de finales contre le CRB. Certaines, on les a perdues. Chababria des WZ du USM Alger, ça sera donc ce soir à partir de 21h au stade Nelson Mandela. Vous pourrez suivre cette rencontre en direct sur les ondes d'Algéchin 3. Autre actualité ce soir, Ali, le coup d'envoi du 4e festival de Annaba du film méditerranéen. Salim Brahimi est notre envoyé spécial. Nouvelle équipe organisatrice, nouveaux regards et ambitions pour ce rendez-vous qui veut faire de la relance de l'industrie cinématographique son cheval de bataille, avec plusieurs projections prévues, rencontres thématiques, ateliers et des stars du grand écran dont quelques noms nous sont dévoilés par Mohamed Allel, commissaire du festival. On a Khaled Naïssa, il y a Etiar dans la série de La Casa du Papel, Dorid Laham, c'est un star de cinéma la série, il y a Shirin égyptienne et quelques Tunisiens. Plus de 3000 œuvres cinématographiques ont été présentées à la commission de sélection de la compétition du festival. Engouement affiché des cinéastes à venir en Algérie pour présenter leurs œuvres, comme l'indique Hassan Kishesh, directeur artistique du festival. On a reçu vraiment des milliers de films. Au final, c'est ramener des films nouveaux, de qualité, une première, une avant-première mondiale, au moins chez nous, récent, de bon niveau artistique et cinématographique. En plus des projections en compétition et en hors compétition, des rencontres autour du cinéma sont prévues, dont une dédiée aux femmes cinéastes et celle dédiée au cinéma palestinien, comme nous l'annonce Zinedine Saadi, membre organisateur du festival. C'est des films dédiés aux réalisatrices qui ont beaucoup contribué à la réalisation dans l'année 2023, ainsi que la section spéciale dédiée à la Palestine, Viva Palestina, avec 7 courts-métrages qui seront projetés. Ce soir, le coup d'envoi du festival aura lieu au cœur de la ville, au théâtre régional Azdine Medjoubi d'Annaba, avec tapis rouge et réception des artistes invités, le film d'ouverture et le long métrage de fiction Vers un avenir radieux du réalisateur italien Nanni Moretti, heure de projection 21h30. D'Annaba, Salim Brahimi, Algéchin 3. On s'intéresse à présent à la relance du théâtre universitaire. Un engouement est constaté du côté de Sidi Blab, Smaïl Elkins. Pour Fatma et Ayman, étudiants en deuxième année de licence en art dramatique, la pratique du théâtre à l'université leur a permis de s'exprimer autrement sur la situation à Gaza grâce à leur rôle de comédienne et de danseur. Je suis comédienne de théâtre et j'ai joué le rôle. Je me suis mise à la place des enfants et les femmes de Gaza. Le rôle, l'abtaz, l'ahassis, l'antabir, ma kanch mojara tamthil bark, kan naba' min dakhl, nitmanna inchallah yisharro, w hada huwa le rêve tiana. L'abtasti li yqoulou lek chorégraphie contemporaine, dance, qui connaît Mathel, et situation pour sortir le public après la chorégraphie, les mouvements de corps. Plusieurs critères s'imposent pour l'écriture d'une œuvre de théâtre. Abdelkader Belkaroui, artiste de théâtre régional d'Oran. J'ai pu transmettre quand même des informations quant à l'écriture d'une pièce de théâtre. Comment on arrive à écrire une pièce de théâtre? Il faut être un bon lecteur assidu, il faut avoir beaucoup de curiosité, beaucoup d'imagination, avoir cette matière grise pour arriver à développer une idée, et quand elle est développée, c'est la clé pour l'écriture dans le domaine du théâtre ou dans le domaine du scénario. Et je suis agréablement surpris, ça me réjouit. Le théâtre universitaire, au-delà de l'art du spectacle qu'il symbolise, est une opportunité pour nos étudiants d'explorer leurs capacités créatives, d'acquérir des compétences dans l'art, de communiquer et de s'exprimer en public, ainsi que d'aiguiser leurs pensées critiques. De la wilaya de Sidi Blabès, Maïl Kenz, Algéchin 3. Dernière page de ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Samir à la console de la technique, Yassine au streaming, Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Bounour.